Quand je vous dis chaque jour, chaque fois, je vous parle toujours de vous méfier de votre meilleure amie. Je vous dis tout le temps, la meilleure amie, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais j'oublie une chose. Jusqu'à présent, j'ai oublié de vous parler d'autre chose. Parce que dans la vie d'une femme, il n'y a pas que sa meilleure amie qui peut la poignarder dans son dos. Dans la vie d'une femme comme nous sommes, une femme comme moi, la personne qui peut te poignarder dans le dos, c'est quelqu'un que tu n'aurais jamais pensé. Jamais pensé. Jamais, jamais. Jamais. Hein? Nous, comme femmes, si quelque chose nous arrive, en qui est-ce que nous pensons en premier? On pense naturellement à notre maman. Nous pensons naturellement à faire appel à notre maman. Quand quelque chose nous arrive, c'est à notre maman qu'on va penser. C'est notre maman qu'on va appeler pour venir au secours. Tu ne peux même pas penser que ta mère peut être celle qui te poignarde dans le dos. Jamais. Alors, c'est ça, c'est l'histoire donc de cette femme africaine, de cette jeune fille africaine de 22 ans qui est partie en Europe. Elle a épousé un Français. Elle réussit très bien dans son mariage. Son mariage marche très bien. Et son mari est quoi? Très riche. Quand je dis riche, c'est riche. OK? Alors, la jeune fille, elle va avoir son bébé. Elle a son bébé, elle élève son bébé jusqu'à quand l'enfant commence à grandir. Elle veut retourner travailler parce que c'est une fille qui aime, elle veut sortir de la maison, elle ne veut pas rester seulement à la maison à s'occuper de son bébé parce qu'elle pourrait bien puisque son mari est riche. Alors elle veut retourner au travail. Alors comme elle ne veut pas non plus donner laisser son enfant à la garderie, elle demande donc à sa maman qui est jeune de venir l'assister, de venir l'aider. Alors, vous comprenez qu'elle a 22 ans, sa maman l'a eue à l'âge de 14 ans. Sa maman est en Afrique, elle ne travaille pas, donc elle vit des petits boulots. Alors, vous comprenez que pour sa mère, c'est une opportunité de sortir, c'est une opportunité de connaître la belle vie, c'est une opportunité. Donc, quand sa mère arrive en France, elle est heureuse, elle est bien accueillie et elle est complètement transformée. Je vous dis, elle a moins de 40 ans, sa maman. Donc, elle est belle. Elle est sexy, elle prend soin d'elle et elle aide sa fille effectivement. Donc, à son arrivée, tout de suite, il y a une connexion qui va se faire avec avec sa petite fille qui grandit très bien. Et la jeune fille, donc, de 22 ans, elle va retourner au travail. Elle est tellement contente chaque fois quand elle sort, quand elle revient. Elle est contente de savoir que sa maman est à la maison. Elle se sent en sécurité. Elle se dit, enfin, j'ai quelqu'un qui m'aide à la maison. Maintenant, je peux vraiment m'épanouir au travail. Ok, alors je pense qu'on aura une deuxième partie pour la suite de cette vidéo parce qu'une deuxième partie, ça s'impose.